Au secours, je vais accoucher! Oh, c'est qui ça? Respire profondément. C'est bien. Oh, je reviens tout de suite. J'ai mal! Félicitations! Tu es notre 1000e patiente. Et ça fait quoi? Tu remportes 100 $. Wow. C'est une fortune! C'est une super nouvelle! Mais je suis toujours en train d'accoucher, moi! Félicitations pour cette adorable petite fille! Merci beaucoup, docteur! Elle a dépensé l'argent qu'elle a gagné pour acheter un berceau. Oh, mon petit rayon de soleil! Fais de beaux rêves! Maman fera tout pour que sa fille ait tout le confort possible. 5 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La petite Carrie va avoir 5 ans. Ferme les yeux, bébé. J'ai une surprise pour toi. Maintenant, ouvre. Waouh, maman! J'ai toujours voulu avoir une peluche. Un gros nounours. Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh, ça doit être nos invités. Carrie ne reçoit jamais beaucoup de cadeaux. Mais quand c'est son anniversaire, c'est différent. Waouh, des chaussettes! Il y en a tout plein. J'ai une idée. Merci d'être venue. On allait justement passer à table. Wow. Wow. Tu vois ce que je vois? Bienvenue au théâtre de marionnettes de Carrie. Salut, je suis Monsieur Chaussette. Comment ça va? Bien, Monsieur Deuxième Chaussette. Il fait doux pour la saison, tu trouves pas? Waouh, cette petite a du talent. Tiens, tu l'as bien mérité. Merci, je m'attendais pas à ça. Super, c'est un bon début. Yes! 5 autres années ont passé. Et Carrie est toujours aussi créative. C'est pas mal, ça. Carrie, je suis rentrée. Ma chérie, tu lâches encore tes feutres? Non, t'as rêvé. Oups. Ma petite fille, t'es vraiment un bébé. Tu peux pas manger tes feutres, c'est pas de la glace. Mais c'est tellement bon! Ouf, maman a une dure journée aujourd'hui. Mais maintenant, au moins, on a de l'argent. Maman, je peux avoir une glace? S'il te plaît! Juste une toute petite glace. Maman ferait tout pour sa fille. Bien sûr, ma chérie. Tiens! Merci, merci! T'es la meilleure maman du monde. Crème glacée! J'ai des glaces pour tout le monde! Fraîches, savoureuses, délicieuses! Venez acheter de la glace! Tiens, un cône, s'il te plaît! Yeah, baby! Achoum! Tiens! Burk! Bon, tant pis! Un instant! Un vieux vélo! Et si? Un vieux vélo et un tas de planches? Je pourrais commencer un super business avec ça! La meilleure crème glacée de Troom City! Venez en acheter! Approchez, approchez! Ah, ça va pas être du gâteau, mais je peux y arriver. On va mettre ça ici et le scotcher comme ça. Ouh, c'est trop beau! Carrie a fabriqué son premier camion de glace. Allez, c'est le moment de doubler la mise. Délicieuse crème glacée pour seulement 2 $! Approchez! Venez vous régaler. Une glace, s'il te plaît. Oh, de l'argent! Oups! C'est rien! Les légumes verts, c'est bon pour la santé. Ça a l'air dégueu, ce truc. Oh, c'est quoi ça là-bas? Monsieur, vous voulez une glace? Elle est propre et délicieuse. Waouh, je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je vais prendre tout ce que t'as. Cool! Venez prendre une glace. Oh, y a beaucoup de monde. Acheté pour 1 $, vendu pour 2. Ça le fait? Super! Carrie a vendu tout son stock de glace. Merci beaucoup! Bon appétit, Miss! On dirait que Carrie est devenue une vraie femme d'affaires. Yay! 6 ans plus tard. Votre attention, les élèves! Voici les résultats de vos tests. C'est le mien? Tiens, Liana, corrigez vos erreurs. Un F? Mais je pensais que j'avais réussi! Oh, mais comment je vais me rattraper? On dirait que toute la classe a eu des F. Sauf Carrie, car c'est la plus futée.
Comme toujours d'ailleurs. Mes camarades de classe sont trop tristes. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Votre attention, tout le monde! Si vous voulez avoir des A, venez me voir! Pour pas cher, je vous garantis de super notes. Moi d'abord! Qu'est-ce qu'on attend? Ça va être une mine d'or pour Carrie. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe ici? Vous voulez un thé? Non, ok. J'y crois pas. Comment ça, le cabinet de Carrie? On peut jamais avoir la paix. Bon, qu'est-ce que c'est maintenant? Chérie, ça te dit une tasse de thé? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ce que tu crois, je fais mes devoirs. Enfin, les devoirs des autres. Ah, d'accord. Bon, ben, je t'embête pas plus longtemps. Je t'expliquerai plus tard. Alors, à qui le tour? Tiens, mes cahiers de maths et de physique. Non, non, la biologie d'abord. Ok, ok, l'une après l'autre. Wow, ça fait beaucoup d'argent! 4 ans plus tard, déjà? Comme le temps passe vite. C'est la remise de diplôme de Carrie aujourd'hui. Allez, viens, ma chérie. Maman, attends! Tu veux vraiment y aller habillée comme ça? Bah quoi, c'est simple et élégant. T'es sérieuse? Non, pas question. On va arranger ça. Un costume de lutin? C'est une blague ou quoi? Oups, il y a eu un petit souci. Désolée, c'est pas ce que je voulais faire. Waouh, maman, t'es superbe. Allez, dépêche, on est en retard. Oh, mais pourquoi pas? Et maintenant, Carrie Green. Merci, madame Harrison. Maman, regarde, j'ai mon diplôme. Bébé, je suis si fière de toi. Je te souhaite le meilleur, Carrie. Un grand avenir t'attend. Ma fille, j'ai un cadeau pour toi. Une nouvelle tirelire. Waouh, maman! C'est tout simplement parfait. Et d'ailleurs, j'ai aussi un cadeau pour toi. C'est où, Carrie? J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Waouh, c'est vraiment pour moi? Une toute nouvelle poubelle! Comment t'as su que j'en rêvais? Maman, en fait, je parlais de cette voiture. J'ai économisé tout mon argent depuis le lycée pour te l'acheter. Oh, c'est vraiment pour moi? Ouh. Bien sûr, maman, tu l'as mérité. Et 5 ans plus tard. Allez, Carrie, tu vas y arriver. Carrie Green, tu tombes bien. C'est la cata. Notre entreprise perd trop d'argent. Bien sûr, madame Clarks. J'ai plusieurs idées en tête. Et si on utilise mes tactiques, l'indice de la crème glacée devrait doubler. Je vous le dis, ça va forcément marcher. Je m'ennuie, c'est quoi ces balivernes? Rien de tout ça ne m'impressionne. Alexa, t'es virée. Carrie, à ton tour. Surprends-moi. Bon, j'ai besoin d'une minute. Je suggère qu'on prenne le meilleur de tout ce qu'on a et qu'on en fasse un seul et même produit. Crème glacée plus M&M's plus Kit Kat égale méga crème glacée. Tadam! Alors, vous en pensez quoi? Alors là, c'est du génie! Bravo, Carrie! Désormais, tu seras la PDG de notre entreprise. Félicitations! Qu'on me pince, je rêve! Diriger une grande entreprise, c'est pas si facile. Carrie passe ses jours et ses nuits au boulot. Prendre des vacances? Que dans ses rêves. Bon, allez, il est temps de rentrer à la maison. Je suis vraiment fatiguée. Wouah, cette méga glace, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Trop cool! Alors, c'est qui la meilleure PDG? Un simple déjeuner, ça peut changer toute une vie. Oui, oui, achetez les actions tout de suite! Non, juste celles que j'ai dites. Merci. Combien de fois je vais devoir le répéter? Je te rappelle. Allô? Pfiou, je peux pas avoir une minute de répit. Pourquoi je te paye en fait? Bosse un peu! Ce type me donne mal à la tête. Bill, t'es viré. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de m'appeler sur ce numéro! Ah, oh, mais c'est quoi son problème? Ah, je suis épuisée.
Oui, oui, je suis prêt à investir dans ce projet. Au secours, j'arrive plus à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Tenez bon, monsieur, j'arrive. 1, 2. C'est bon, est-ce que ça va? Tu viens de me sauver la vie? Ça te tente d'aller au ciné? Ah ouais, avec plaisir. Et c'est ainsi que tout commença. Alex et Carrie sont tombés amoureux. Et Carrie finit par dire oui. Ils eurent un grand mariage luxueux. Il y a même eu un article dans le journal. Et 9 mois plus tard, Adam est né. Ah, on était si heureux. Maman, comment tu te sens? Mieux que jamais. Je t'aime tellement. Adam? Coucou, fiston. Maman, mon iPhone est cassé. T'as vu? Donne-moi de l'argent pour que j'en achète un autre. Ah, de l'argent, toujours de l'argent. Bien sûr, fiston, attends une seconde. Voilà, j'espère que ça suffira. Maman, c'est une carte de Uno, ça! J'ai besoin de fric! Donne-moi du pognon! Ah, ok, ok. Devrait y en avoir là quelque part. Tiens, fiston. Ah, très drôle! Maman, tu vois vraiment rien sans tes lunettes. J'ai besoin d'argent! Ah, chérie. Tiens, prends ma carte gold. Merci! Me revoilà! Oh, fiston, tu nous as fait peur! Je vais devenir célèbre! Regarde un peu ça, c'est trop cool! Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici? Danse avec moi! À droite, à gauche, comme ça! Ah, les ados de nos jours! Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! On peut gagner de l'argent comme ça? Je suis partante, fiston! Allez, venez tous danser en famille! Eh, moi aussi, je veux me déhancher! Hé là, coucou les gens! Venez danser avec mamie! Personne n'échappe à la vieillesse. C'est ma pub! Carrie est devenue la grand-mère la plus riche de Troom City. On y va. Diriger une entreprise à son grand âge, c'est un véritable défi. Pfiouh, on y est! Ah, te voilà bébé! Le tricot virtuel, c'est tellement agréable. 1, 2. Madame Carrie, signez ce document. Madame Carrie, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes aiguilles? Qui a fait ça, Kylie? Excusez-moi, madame, j'ai besoin de votre signature. Ça suffit, j'en ai marre. Je prends ma retraite. Allô, fiston? Viens ici le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il est temps pour toi de prendre les rênes de ma société. Je suis sûre que tu vas y arriver. Tu veux que je sois le PDG de ta compagnie de crème glacée? Merci, maman, je suis tellement content. Je t'aime, fiston. Adam, toutes mes condoléances. Ma mère était une femme formidable. Elle va tellement me manquer.